J'ai adhéré en 1968. J'ai adhéré à la fin mai. Donc au début du mois de mai, j'étais... les trois années précédentes, j'étais étudiante en sociologie à la Sorbonne. Et donc j'étais à l'UEC, j'étais à l'UNEF. Et j'ai fait partie de tous les, disons, les mouvements, que ce soit de solidarité internationale, que de... de monter en fièvre sociale des étudiants, voilà. Et donc j'ai commencé le mois de mai un peu sur les barricades. En fait, j'étais aussi à l'AMNEF, donc j'étais dans le soin aux blessés. Et puis j'ai fini en adhérant au Parti communiste fin mai. Voilà. J'ai adhéré lors de la dernière campagne présidentielle. Et dans mon département, ce que je voyais militer, c'était que les communistes. Il n'y avait que les communistes qui étaient là sur les marchés, qui distribuaient des tracts, qui étaient là pour militer. Et donc c'est vrai que c'est eux que j'ai rencontrés, c'est eux que j'ai trouvé sympa. C'est eux qui m'ont mis à l'aise, qui m'ont bien accueilli, tout ça. Et avec qui j'ai partagé très rapidement beaucoup de conceptions, parce qu'ils représentaient à la fois mes intérêts, mes idéaux, mes valeurs. Donc, Notre société, elle nous donne. C'est pas une société fraternelle qu'on a actuellement, c'est une société individualiste où tout le monde se regarde le nombril. Ça m'a toujours insupporté. Et du coup, quand je me suis intéressé à la politique, je me suis naturellement intéressé au Parti communiste et au Front de gauche. Alors, ni une ni deux, je suis sorti de chez moi, je suis allé à ma section du Parti communiste et j'ai dit je prends ma carte. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, mes parents, ils m'ont regardé, ils m'ont dit mais qu'est-ce qui se passe, Cédric? Pourquoi tu fais? Je lui ai dit oui, il faut s'engager, là, c'est le moment. On a un président qui a été élu sur un programme qu'il ne va pas appliquer, qui a commencé déjà à rogner, c'est le moment de s'engager. Donc je me suis engagé en 2012 et j'ai rencontré, c'est ce jour-là que j'ai rencontré Paul qui m'a fait adhérer au Parti communiste. Alors moi j'ai adhéré en 2009 parce qu'à l'époque j'étais étudiante et il y avait un mouvement sur ma fac, un mouvement social, c'était la LRU 2 et la masterisation, et du coup il y avait un gros mouvement, on était très mobilisés pendant des mois, et ensuite le mouvement s'est fini et moi j'ai cherché des perspectives pour la suite, et du coup je me suis renseignée sur internet et en fait j'ai lu des choses sur le Parti communiste et je suis allée à la fédération du Parti communiste de la Vienne à Poitiers et j'ai rencontré des communistes et du coup j'ai adhéré. Effectivement, les mouvements sociaux, c'est des moments où on se pose plein de questions, où on est dans l'action, etc. Et puis quand ça finit, ou même pendant, on a envie de continuer et d'aller plus loin, quoi, et d'être utile au-delà des mois où on a manifesté, où on a bloqué son lycée, où on a... voilà. On est une génération qui n'avons pas connu tout ce que le XXe siècle a traversé. Je suis né en 96, donc 5 ans après la chute du mur de Berlin, ce genre de choses. Donc pour nous, c'est vraiment, et je le remarque dans ma fédération où la jeunesse communiste monte en puissance, on a un désir de changement, clairement. On se rend compte que la société actuelle ne peut plus durer et le communisme redevient parmi les plus jeunes générations cette alternative qu'on aimerait pouvoir porter au plus haut. Militons ensemble pour un avenir meilleur pour l'humanité, afin que le soleil de la liberté brille sur la planète. Plein succès pour votre 37e congrès. Vive la solidarité entre les peuples. Vive la France. Vive la Palestine. Je pense que ce qui a été moteur dans cet engagement en ce qui me concerne, c'est la fraternité que j'ai trouvée dans le Parti communiste, où les hommes et les femmes qui y militent, quelles que soient leurs conditions sociales, et même si on n'est pas d'accord, il arrive un moment où la fraternité prend le pas sur les différences. Et je crois que cette valeur-là, pour moi, elle est essentielle et je l'ai retrouvée dans cet engagement-là. Moi, je suis né dans une famille très pauvre. Et j'ai subi les inégalités depuis toute petite parce que c'est une famille pauvre. Mes parents se sont serrés la ceinture pour que je fasse des études. Je suis allé dans un lycée prolo aussi. Donc cette haine des inégalités m'a poussé à adhérer au Parti communiste. La deuxième raison, c'est la haine des guerres. J'ai été traumatisé par les médias, toutes les images qu'on a pu montrer, en particulier la guerre du Vietnam. J'étais contre la guerre du Vietnam des Américains. J'étais aussi contre la guerre en Afghanistan des Russes, et cette haine des guerres aussi, ça a été aussi une raison.
François Hollande est devenu plus attentiste que les USA. Va-t-on continuer à être le troisième pays exportateur d'armes? N'est-il pas temps d'envisager une diminution de la production des armes et un contrôle citoyen sur les ventes? Et à cette époque-là, je me rappelle que j'étais encore sur la vision du Parti communiste où je me disais, bon, ils ont des superbes idées, mais alors le nom du Parti communiste, qu'est-ce que ça, les handicaps, ils devraient changer, etc. Et je me disais, bon, c'était le moment aussi où le Parti gauche prenait de l'ampleur, donc je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais chez l'un, chez l'autre, et je me suis dit, de toute façon, si je veux savoir où je suis bien, il faut que j'essaye quoi qu'il arrive. Je pense qu'il y a deux choses qui m'ont amené au Parti communiste. Donc c'était en 2010, il y a eu le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy sur des chances de nationalité, patati patata. Et il y a eu la réforme des retraites. Et ça a été, voilà, j'ai participé à la mobilisation contre la réforme des retraites. Je m'étais mobilisé contre le discours de Grenoble. Et les deux ont fait que j'ai fini par prendre ma carte fin 2011. Enfin, je dis n'importe quoi, pardon, sur les dates. C'était en 2010 qu'il y avait eu ces deux choses-là. Et donc début 2011, j'ai pris ma carte au PCF. J'ai adhéré pour la recherche de lutte contre les inégalités plutôt. C'est peut-être aussi les origines catholiques, le souci de l'autre, mais pris dans une autre globalité et avec une autre essence que croire que tout va s'arranger en croyant à un Dieu dont j'estimais pas qu'il était réel. Quoi. Voilà. Bah, pour moi, c'était important de m'investir dans un parti qui avait un vrai background historique, qui avait qui avait aidé à construire des choses, que ce soit par exemple le CNR, la sécurité sociale, etc. etc. Donc, du coup, c'était important pour moi de participer à quelque chose qui avait du poids historiquement et aussi du poids localement, c'est-à-dire une organisation qui était implantée localement, qui était présente partout sur le territoire et aussi qui n'était pas une organisation néophyte, quoi, qui avait vraiment des racines profondes dans la culture politique française. Ce n'est pas totalement par hasard, parce que je suis petite fille et fille de communiste, donc c'est vrai que ça aide pour se forger des opinions politiques très tôt. Ma mère a été élue aussi pendant des années, donc élue locale, donc forcément ça entraîne une certaine préoccupation de ce qui se passe au niveau local, mais aussi au niveau national. Et moi, après, pendant mes études, j'ai toujours été particulièrement intéressée par l'Europe. Et donc, c'est vrai que c'est aussi ça qui m'a conduit à aller au Parti de la gauche européenne. Bah, être communiste, d'abord, le mot, il me plaît, le nom. C'est la communauté, c'est les batailles communes, c'est... le partage, mais au sens large, c'est-à-dire les richesses qui sont créées par les femmes et les hommes de cette planète. Je crois qu'un monde nouveau frappe à la porte. Et c'est ce monde-là qu'on appelle communisme, que moi, en tout cas, j'appelle communisme. Il s'agit de le préciser, de l'approfondir, de l'élargir, mais surtout, ce monde nouveau, il doit prendre le pouvoir. Je crois que c'est la préoccupation qui domine, qui doit dominer nos travaux. Le message, me semble-t-il, que le Congrès veut ainsi envoyer, c'est celui de notre total engagement dans un processus qui vise finalement tout simplement à sauver la gauche de l'anéantissement au cours duquel ce quinquennat nauséeux l'a menée.